guys is trapped up on the shoulder older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't fidget this fidget. Amis de KMT, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission du jeudi soir. Alors, contient un petit mystère aujourd'hui avec qui je vais converser. Hein? Vous allez découvrir ça tout de suite. Avec une poétesse, une autrice, une journaliste, une comédienne. Je m'arrête là parce qu'il y a encore beaucoup de facettes. Alors, une artiste multicasquette qui vient nous parler d'un événement qui aura lieu donc, au théâtre de Aimé Césaire de Fort-de-France, Femme Totem Poésique. Alors, j'ai nommé Marilyn Ampini. Bonsoir, Marilyn. Bonsoir, Mylène. Bonsoir, bonsoir. Et puis, très contente de te revoir, avec toujours la même émotion. Une grande artiste comme toi, qui a changé aussi, qui est restée artiste, mais qui est devenue une belle animatrice de télé. Puis, bonsoir à tous les téléspectateurs de KMT. Je leur dis merci de me recevoir chez eux. Alors, bonsoir, Marilyn, encore de nouveau, parce que je suis très contente de la recevoir. Alors, bien évidemment, on va parler de son actualité, on va parler de ce qu'elle est venue nous présenter ce soir, mais on va aussi parler d'elle pour la découvrir un petit peu plus en profondeur, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je pense que la majorité d'entre vous ont déjà entendu parler d'elle. Alors, comment vas-tu? Bien. Bien. Bien parce que je suis en action, parce que je fais des choses que j'aime. Bien parce que je rencontre aussi, grâce à ça, des gens que j'aime, que je crois donner un petit peu de plaisir aux gens que je rencontre avec ce que je fais. Donc, bien. Mm-hmm. Et souhaitons que la santé perdure, parce que c'est la santé, l'énergie de tout, la base de tout. Oui, tout à fait. Et ça me permet de venir là pour pouvoir te dire mon rendez-vous avec mes 5 autres comparses la semaine prochaine au Théâtre Aimé Césaire. Voilà. Alors, la toute jeune Marilyn, où a-t-elle grandi? Elle a grandi dans une commune qui s'appelle Le Diamant, qui est l'une des plus belles naturellement. De la Martinique, oui. L'une des plus belles naturellement, qui est un joyau, avec ses, qui était, parce que la nature l'y aidait, l'une des plus grandes plages. Ça a été un peu rétréci avec l'érosion que l'on sait. Donc avec des amis fous, une famille aimante. Une enfant très libre, très indépendante, très joyeuse, très joueuse. Je crois que j'ai gardé tout ça, même si la vie n'a pas toujours été tendre. Oui, tout à fait, comme pour tout le monde. Mais quand on a ces bases-là, ça nous aide. Oui, tout à fait. On part avec beaucoup avec de l'énergie. Avec voilà. Tout à fait. Donc, une enfance impeccable. Impeccable. Quels étaient déjà tes rêves? Alors, mon premier rêve dont je me souviens très bien, je le disais à tout le monde, c'était de devenir avocat. Ah, d'accord. Avocate, maintenant. Alors, c'était pour aider ceux qui étaient en difficulté, c'était quoi exactement? Je crois que c'est parce que j'aimais, je suis tombée sans doute sur des gens comme Maître Jacoulet ou peut-être qu'à l'époque Monville ou d'autres, ça ne me vient pas en tête, mais la manière de parler, le verbe, les postures, l'éloquence, est grande. Mais on ne devait pas... Oui, parce qu'en fait, c'est comme s'il faisait une pièce de théâtre. C'est vrai. D'ailleurs, je viens de faire la nuit du tribunal pour le tribunal judiciaire il y a quelque temps, ça fait à peine 2 mois. Il y a de ça. Il y a de ça. Qu'ils le veuillent ou non, ils n'aiment pas trop qu'on le dise, les avocats, mais il y a cette posture, il y a cette manière, cette éloquence qui fait que, je ne dis pas qu'ils gagnent plutôt, qu'ils perdent leur procès à cause de ça, mais ça influe. Oui, tout à fait. En tout cas... on ne devient pas avocat que pour ça. Oui. Alors, je crois que justement, c'est parce que j'aimais cette éloquence, ce partage des mots, cette manière de dire les mots, tantôt avec emphase, tantôt avec douceur, tantôt avec... que je suis devenue comédienne. C'était ça auquel je me destinais. Mais à cette époque-là, ce n'était pas un métier. Mm-hmm. Ça ne l'a pas été pendant longtemps, d'ailleurs. Même quand je l'ai exercé en Martinique, j'étais peut-être la seule professionnelle. Ça l'est devenu après. Parce que c'est vieux, ça ne nous rajeunit pas. Mais en même temps, ce métier, l'avocat, je précise, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Parce que c'est le métier de la démocratie, c'est celui qui donne à chacun la possibilité de se défendre face à la loi. Oui, tout à fait. C'est un très, très beau métier. Et il a beaucoup de profondeur, parce que si on voit le chirurgien qui va vous sauver la vie, il faut savoir que l'avocat a entre vos mains des années de votre vie aussi. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc c'est un très beau métier, je trouve. Mais finalement, donc, tu as fait quoi comme étude? Alors, je suis allée au bac. Et à peine le bac A4, ça s'appelait à l'époque le bac c'était français, littéraire. À peine gagné,
Henri Melon, qui était mon professeur de français, m'a demandé de venir en Guadeloupe, où il y avait un stage avec Yvan Labéjoff, qui représentait le théâtre antillais de la diaspora, Arthur Lérus, qui représentait, qui est grand, qui représentait le théâtre du Cyclone, qui venait chaque année d'ailleurs au Festival de Fort-de-France, et Roger Caram, oui, c'est Antoine qui a fait de la politique, Roger Caram, qui était metteur en scène de la Guyane, et lui, Henri Melon, de la Martinique. Et nous, on était une quinzaine de jeunes qui apprenaient le théâtre venant de ces quatre pays précités. D'accord. Donc, en fait, ils t'avaient repéré dans les cours à l'école. C'est les professeurs de français. Tu lisais devant tes... C'est les professeurs de français, oui. Madame Laminardi, un peu madame, à l'époque, madame... qui est devenue Madame Darcière, qui a été mon professeur, qui m'a fait connaître un peu Césaire. Henri Melon a été celui qui vraiment m'a prise en main, qui m'a fait faire ce stage, puis rentrer dans sa troupe, le Théâtre populaire martiniquais. D'accord. En tout cas, tu as été comédienne. Oui. Mais tu as travaillé aussi sous la houlette de grand metteur en scène antillais des années 1970. Qui était-il? Henri Melon. C'était celui-là? Henri Melon. Yvan Labéjoff, qui m'a fait connaître deux belles années extraordinaires avec Solitude, la mulâtresse, avec lequel on a joué pendant 2 ans, ce qui n'est même jusqu'à présent pas rien, parce que les pièces en général... Et tu les avais rencontrées en Guadeloupe ou je l'avais rencontré, Yvan Labéjoff, en Guadeloupe. En Guadeloupe, et, Arthur Lérus, je le rencontrais un peu plus souvent parce qu'il venait avec le Théâtre du Cyclone quasiment chaque année, comme les Cuis d'Or d'Haïti, au Festival de Fort-de-France. Roger Caram, je l'ai rencontré aussi en Guadeloupe, dans ce stage. D'accord. Et c'est... Donc j'ai joué deux ans, avec Solitude la mulâtresse, qui est une pièce écrite par André Schwarzbartny, qui avait été adaptée au théâtre par Patrick Charmazou magnifiquement, avec des comédiens extraordinaires. Tu avais une mémoire phénoménale pour retenir tous ces rôles, parce qu'en plus, au théâtre, on doit retenir tout le texte d'un coup pour le restituer. C'est vrai. Alors que si on j'ai gardé un petit peu. Alors qu'au cinéma, en fait, on a une réplique de 2-3 phrases, exact. C'est coupé, on recommence. Exact. C'est ça que j'aime avec le théâtre, qui fait que je crois que je suis ce que je... C'est que le théâtre doit être une immédiateté. On ne peut pas se cacher. On a mal aux dents, on a mal aux dents. Il faut jouer avec le mal dedans. On a, comme à l'époque, j'avais des maux de ventre, parfois, des maux de tête. Bon, il faut jouer dans l'instantané avec ce qu'on a, et le positiver d'ailleurs, pour pouvoir donner le meilleur ce soir-là. C'est l'instant précis, c'est le jour J. Il n'y a pas de différer ni d'avancer. C'est l'instant présent. C'est pas comme le cinéma et la télévision où on prend les meilleures touches et les meilleurs. Ouais, c'est ça. Alors, tu nous as raconté que tu es parti en stage après le bac. Oui. Mais est-ce que tu es passé par le CERMAC aussi? Ah, beaucoup. Alors, après le stage, je rentre dans la troupe d'Henri Melon où il demande, et ça, c'est franchement, j'ai eu des générosités, il demande à toute la troupe, qui est une troupe d'amateurs, des gens qui travaillent à l'éducation nationale, en mairie, dans les hôpitaux, etc. Et Henri Melon, c'est un professeur, comme je viens de dire. Il demande à ce que, jeune, j'ai 18 ans et demi, 19 ans, que je sois la seule professionnelle, que je sois payée à chaque fois pour m'aider à vivre, etc. Il m'écrit d'ailleurs une pièce que je joue seule, ça s'appelle Mea Culpa. C'est un sublime cadeau. Donc toute la pièce... C'est des cadeaux. Toute c'est toi seule. Qui dois la porter, quoi. À ma connaissance, c'est le premier woman show de Martinique. Après, il y en aura d'autres. D'accord. Ça s'appelle Mea Culpa, une femme qui... Ben tiens, une femme qui regarde beaucoup la télévision et qui ne reçoit de la télévision que des effroyables nouvelles. Oui. Jusqu'à présent, c'est très bien. C'est la guerre, c'est la précarité, c'est les conflits. Mm-hmm. Et ça, elle reçoit les chocs sans même en avoir conscience. Et elle va devenir, au fil du temps, légèrement démente. C'est magnifique. Et puis, Yvan Labéjoff, que j'ai rencontré dans ce stage, me demande de le rejoindre à Paris. Ça, c'est fou. Avec, à l'époque, Richard Philibert, qui travaillait au Centre Jean-Marie Serrault. Et on a ces 2 ans de bonheur à jouer au Théâtre de Lille. À ce moment, c'est Mauroy qui devient le Premier ministre de Mitterrand. Mais à ce moment-là, il est maire de Lille. Il devient maire de Lille. Et c'est dans son théâtre Sorano. Après, on joue au Festival In de Fort-de-France, au Festival In d'Avignon, au Festival de Fort-de-France. Enfin, on a des tournées de... Et au Théâtre National de Chaillot, où on termine. Et tu vois, jusqu'à maintenant, quand tu parles de tout ça, tes yeux brillent. Ah, j'adore. C'est les meilleures années. C'est des années, non seulement... Ce sont des souvenirs très positifs. Très positifs. C'est des années où j'ai eu des metteurs en scène à la fois exigeants et bienveillants, qui m'ont fait confiance, on ne peut pas l'oublier, des troupes
ce qu'on appelle une troupe, c'est-à-dire des corps qui n'en font qu'un. Oui, oui, tout à fait. Et puis, des grands moments de bonheur avec le public de Lille, d'Avignon, de Fort-de-France et de Paris. Et partout, la communion s'est faite. Partout, à tel point, je vais te dire, que pour terminer, moi, te tutoyer, ça va venir de temps en temps. Ah non, mais c'est moi que aussi, au Théâtre National, au Théâtre National de Chaillot. On va pas faire semblant de pas se connaître. Exactement. Au Théâtre National de Chaillot, on avait, je me souviens, prévu de jouer un mois. On va jouer un mois, 15 jours de plus. Donc, c'est pour dire que oui, cette pièce a beaucoup. Elle a marché. Oui, elle est bien écrite, elle est bien adaptée par Chamoiseau, elle est bien écrite par Schwarzbart. Elle raconte une histoire aussi forte de notre passé. Colonial, esclavagiste et colonial. Mm-hmm. Et puis, elle était superbement jouée par Daniel von Berchek, Roger Bernabé qui est parti, Mireille Pam qui est parti, Maïté Vauclin, etc. Alors, Jordan est à la technique. Alors, je vais lui dire, pendant notre interview, en tout cas, de diffuser le maximum d'images qu'il peut, parce que je lui en ai envoyé. D'accord. Voilà, d'accord. Pour qu'on puisse te voir tour à tour. Voilà. Là, c'est dans Lazare et sa bien-aimée. Monique Pognon est là. Mm-hmm. On joue Marthe et Marie. Elle est partie, Monique. Elle avait une voix rock extraordinaire. Monique Pognon, la sœur de Jean-Paul. Et moi, je joue Marie, la sœur de Lazare, que nous avons demandé au Seigneur de ressusciter. On sent que tu vis ce que tu fais. Ben, j'espère, j'espère. Vraiment. En tout cas, Lazare, c'était Roger Robinel. Mm-hmm. Et c'était notre frère. Oui. Et nous voulions à tout prix que Jésus le ressuscite. C'est le même Roger Robinel qui avait l'agence de mannequins. Sa femme. Roger Robinel a toujours fait que du théâtre. Un peu de coiffure, tout ça, mais c'est sa femme. J'oublie le prénom, mais elle Brigitte. C'est Brigitte. Mais Roger était là. Hein, il était là, c'est sûr, de la mise en scène. Pour le mannequin, ben, il était lui. Là. Alors, tu es devenue à ton tour metteur en scène et même directrice du Théâtre de l'air. Tu as appris sur le temps en observant ceux qui te mettaient en scène d'abord. Ou j'ai travaillé au cours Florent, quand même. Ah, d'accord. Quand même. Mais c'est surtout l'expérience. C'est surtout ce que j'avais pris de, quand même, de José Alpha, qui est prodigieux. Oui. Qui est prodigieux. Il a quelque chose, il est complètement, comment on peut dire ça, il a une imagination débordante, il a des idées, mais il sait aussi surtout puiser en chacun de nous pour donner quelque chose de fort. Donc José Alpha, Henri, c'est une autre manière de travailler, mais tous m'ont appris, Yvan Labéjoff, Michel Césaire, Jean-Paul Césaire, avec qui j'ai travaillé à cette époque, et tout ça m'a beaucoup nourri. Et puis les comédiens que j'avais en face de moi qui étaient merveilleux. Oui, j'avais Luc Sétillois, pour Carmen, j'avais Roselyne Cyril qui jouait. Alors tu jouais aussi bien des grands classiques français que des textes locaux. Alors j'ai beaucoup joué des textes locaux. Mm-hmm. J'ai joué par exemple, j'ai mis en scène Le Bourreau d'Antigone qui était une adaptation de Patrick Charmoiseau de l'Antigone de Sophocle, voilà. Avec deux personnages. Claude Moïse, une haïtienne qui a maintenant son théâtre au Canada, et Luc Sétillois qui est devenu ce concert, oui. Qui a fait un grand chemin. Et puis Carmen La Matador, qui est une adaptation que j'ai faite de Carmen de Bizet. Et j'en profite là pour remercier, parce que je me rends compte de ça, il y a une Carmen là qui est en train de se faire, du travail que m'avait fait Jeff Bayard, que je n'ai jamais assez remercié. Parce que Carmen est une pièce musicale écrite pour environ une vingtaine de musiciens. Il est arrivé à me faire une musique pour juste un piano et un violon. C'est magnifique, ce travail-là. Oui, magnifique. Bien. Et donc, il y avait Yasmina Oyoufat qui a une carrière aussi théâtrale, et sa fille aussi actuellement à Paris, Luc Sétillois. J'ai monté ça. Donc, Tu as tellement fait de choses. Est-ce que tu n'as pas eu envie à un moment de faire une biographie pour nous laisser des traces de ton parcours qui est multiple ? Et tellement riche. J'ai trouvé c'est un peu prétentieux, mais à travers ça le dernier, de répondre ça. À travers le dernier roman que je viens d'écrire, Anaïs Rocher, qui est l'héroïne du roman Au bord des yeux, me ressemble plus. On va dire ça tout simplement. D'accord. Elle a un parcours journalistique, un parcours scénique, un parcours un travail avec les mots, une manière d'appréhender les gens et les choses. Ça me ressemble un peu, sauf qu'elle est encore plus belle dans son âme que moi. Ok. Voilà. Alors, journaliste, responsable de France Anti-Hebdo Paris, puis du TV Magazine Guadeloupe, tu as travaillé sur le TV Magazine de la Martinique aussi, oui. Où je t'ai rencontré, elle a eu l'occasion de m'interviewer. À Californie. Voilà, à Californie, des pages de culture Martinique. Tu interviewais en fait tous les artistes du moment, quoi. Absolument. C'est un milieu qui te plaisait aussi. Ben, c'est mon milieu. Oui. Sauf que
j'ai fait du théâtre, mais le milieu musical, et puis au CIRMAC, on se fréquentait beaucoup. Quand d'ailleurs, les pièces que nous faisions au CIRMAC étaient des pièces multi-ateliers. Donc j'ai beaucoup toujours travaillé avec des musiciens. Le bourreau d'Antigone, il n'y avait pas de musique d'accord, mais quand même. Entre Soleil et Boutou, que j'ai joué avec Michel Césaire, il y avait Anthony Lovitsky qui va après aller à Quack, il y avait Mario Canonge, il y avait une danseuse qui jouait une danseuse de cabaret qui est devenue ce qu'elle est devenue, c'est Christiane Emmanuel. Oui, donc tu vois, les choses. J'ai au CIRMAC appris à toujours emmêler et fusionner les arts. Et en plus, je crois que notre vie caribéenne, quand on prend n'importe qui dans une journée chez lui ou chez elle, vous allez voir qu'elle parle, qu'elle fredonne, qu'elle danse si bien, si pas bien, il triste, qu'elle fredonne en chanson. Il y a une âme artistique. Voilà. Ok. Tu as été responsable de la communication et de l'animation dans ta ville natale, en fait, le Diamant. Yes. Est-ce que cela te tenait particulièrement à cœur? Ah oui. De communiquer toujours, puisque ça a été un de mes métiers de journaliste, une de mes passions, et puis de le faire pour ma ville, ça va de soi, c'était un bonheur, un plaisir. Et plus on a du bonheur d'ailleurs, plus on y travaille. Donc ça a été pour pouvoir, pas exceller, c'est pas ça que je veux dire, mais faire de son mieux, cette commune s'appelle le Diamant, donc il faut y tester comme lui. Quoi. Donc j'ai beaucoup donné. Le Diamant est connu dans le monde entier. Oui, à cause de ce rocher, entre autres. Et j'ai été 6 ans une élue, puis 6 ans une chargée de communication et de la culture, j'y ai donné 12 années d'énergie et de bonheur. Je vais bien te croire. Alors, tu as bâti ton parcours autour des mots, en incarnant des personnages, en animant le théâtre, en relatant des informations culturelles. Tu sens tout ton être vibrer quand tu t'appropries un texte? Oui, enfin, quand je l'aime. Oui. Sinon. Mais quand je lis déjà, je lis quelque chose qui me porte. Ah oui, j'ai tout de suite envie de le dire. Je n'y arrive pas tout de suite parce que ce n'est pas évident de mettre en théâtre. C'est toute une structure. Il faut trouver le metteur en scène, il faut trouver le lieu, etc. Mais dès que je lis un roman, je lis de la poésie, je lis même un texte de journal, même petit truc, dès qu'il me porte moi, j'ai toujours envie de le partager. Ça, c'est le réflexe de la comédienne. De le dire haut et fort et de partager l'émotion qu'il me donne avec les Alors, autres. Alors, on te voit à l'antenne. Jordan, si tu veux remettre... avec des enfants, la dernière image qui est passée. Oui, ça, c'est Ticréole. En fait, ton public, tu le veux multiple. Multiple. Du plus jeune âge à plus d'âge. Tu aimes échanger, éveiller l'imagination de tous. Là, on sent que tu les captes. Ils m'aiment bien. Ils me supportent. Et comme diraient d'autres, c'est eux qui travaillent. Ils m'aident beaucoup. En tout cas, les enfants... En regardant l'image. Parce que je crois que c'est moi. Les enfants, j'ai grandi leur âme un peu, j'espère bien. Donc, en fait, c'est pas trop difficile de travailler avec eux. Je les sens très bien. C'est Ticréole que j'ai monté pendant 10 ans avec Daniel René Coaille. J'ai fait la mise en scène. Ça s'est arrêté cette année parce que c'est une relève. C'est un travail extraordinaire. Extraordinaire que fait sa sœur dans les costumes, que Daniel, elle fait dans la régie générale. Daniel, et en même temps, elle jouait à cette époque. Il y a les costumes, il y a la danse, il y a le chant, il y a Ticréole, il y a les danseurs. Et moi, je faisais que la comédie. Mais c'était du travail. Ah oui, j'imagine. Voilà. Quand tu te mets en scène, en fait, peu importe le lieu, quand tu te sens bien, dès que tu partages, c'est-à-dire que tes mots, là, on a vu des images où tu étais sur la plage. Oui. Tu peux être sur une scène de théâtre. Oui. Tu peux être sur une place. Oui. Quel que soit l'endroit, tu fais comment pour ne plus faire attention à la voiture qui passe dans la rue, au bruit qu'il peut y avoir? Je suis dans le mot, dans l'émotion, dans le voyage dans lequel il me donne. Et puis, je fais abstraction très facilement. Et puis, par exemple, le théâtre que je donne sous la plage, grâce aussi, il faut être honnête aussi, grâce aussi à... Alors, il y a la puissance des mots qui vous emmènent en voyage, donc qui vous sortent de... c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait du théâtre. C'est cette puissance que les mots vous donnent pour partir et avec lesquels vous aimerez embarquer les gens. C'est un voyage. Donc, vous sortez de là où vous êtes. Vous sortez de... Mais aussi, le théâtre de rue, c'est quand même une technique spécifique que j'ai un peu, pas tout à fait, mais un peu quand même, et c'est grâce à José Alpha. D'accord. Parce qu'on a beaucoup été devant les parvis d'église, jouer Lazare et sa bien-aimée, dans les rues, jouer 1902, etc. Donc j'ai un peu du théâtre, beaucoup du théâtre scénique, de scène, mais aussi un petit peu du théâtre de rue, grâce à José.
Alors, une de nos étoiles, aujourd'hui disparue, était ton amie. Tu étais sa parolière, je suppose aussi sa confidente. Est-ce qu'elle est présente dans ta vie comme un ange gardien? Je veux parler d'Edith Lefel. On vous voit à l'antenne. J'espère. J'espère qu'elle s'occupe de ses enfants, tout ça, puis qu'elle pense à moi de temps en temps. Mm-hmm. Mais moi, je pense à elle très souvent. Alors, je n'étais pas sa parolière, j'étais sa confidente. J'ai beaucoup écrit dans le journalisme sur elle, puisque j'étais d'abord l'amie de son compagnon et de père de ses enfants, d'accord, Ronald Robinel. Je l'ai connue comme ça. Et puis après, on va devenir, c'est vrai, très confidente, mais très facilement, parce que d'abord, on se retrouve comme deux âmes contraires et sœurs. D'accord. Et puis, tu as quand même écrit un texte de chanson pour elle. La rivière. La rivière. J'ai écrit donc, pour elle. Je disais que tu étais parolière. La rivière, oui. Que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Parce que c'est l'une des. Ça montre, pour parler d'elle, qu'elle a beaucoup chanté l'amour et Dieu merci, parce oui. qu'on en a encore besoin. Mais elle a chanté d'autres choses. Oui. Elle a chanté La rivière, c'est, à ma connaissance, l'un des premiers titres de Zouk qui parle de pollution et d'écologie et de bétonnage tout azimut, d'accord, qui va finir par nous perdre. Oui. Elle a parlé... Et qui est toujours d'actualité, plus que jamais. Et elle a parlé de prostitution, elle a parlé de maltraitance, elle a parlé de choses très fortes. Mm-hmm. Et peut-être parmi, je pense, une des premières à en faire. Bon, elle n'en a pas tiré gloire, elle l'a fait parce qu'il fallait le faire, mm-hmm, mais je voulais quand même le signifier. Et puis tu lui as consacré un livre qui s'appelait « Une femme créole ». Enfin, je me suis consacrée à moi. C'était pour sortir de la C'était douleur. C'était pour sortir de la douleur. Ouais, ouais. D'accord. Et puis, en sortant de la douleur, je crois que j'en ai sorti parce que le public l'aimait beaucoup. Mm-hmm. Et puis, je crois que j'ai aidé le public à la connaître autrement. Autrement, oui. Autrement. Mm-hmm. Autrement que sur oui, scène. Que seulement la femme. C'est ça. Mm-hmm. La mère, voilà, la copine, la compagne de Ronald, la fan d'Edith Piaf, mais de Bette Midler, de Barbara, de pas Barbara Hendricks, Barbara Streisand, de Jacques Brel, des choses comme ça, le cinéma qu'elle aimait, les repas qu'elle aimait, parce qu'elle aimait bien manger aussi, comme si elle était toute mince. Donc tout ça, quoi, je les emmenais dans une intimité affective. D'accord. Dans ce livre-là. Mm-hmm. Et puis, il m'a aidé aussi à faire mon deuil. À faire ton deuil. Mm. Oui, parce que la Martinique a été sous le choc. En fait, pas que la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la diaspora, partout. Oui. Tout le monde a été sous le choc. Je crois que quand on meurt jeune, quand aussi on est connu, jeune, aussi oui. jeune, voilà, accidentellement, oui. C'est pas une maladie qui, mm-hmm, que on s'attend, quoi. Oui, oui. Je crois que forcément... En pleine nuit, je crois. Mm-hmm. En pleine nuit, oui. Ou très tôt le matin. Ah. Je crois que, oui, ça a touché énormément. Ça a touché énormément. Énormément de personnes. Mmh, énormément. Alors, tu as choisi un titre, Bom Sendou, dont tu es un petit peu à l'initiative. Oui, pas un petit peu, je le revendique. Elle revendique. Et je l'ai mis dans le voilà. livre d'ailleurs, et Ronald le sait. Voilà. Et nous qu'elle est à l'initiative de ce, oui, morceau. De ce morceau-là. Même donc, si la musique est de Ronald, voilà. Mais le texte est d'Edith. Hein. Alors mais pourquoi Bom Sendou justement? Ben, c'est parce que je l'appelais comme ça. Voilà. Et elle n'a jamais trouvé dans ce mot le côté grasse d'huile qu'on veut bien y mettre et qui est. C'est pas ça. Elle a compris que quand je l'appelais image. Comme ça, mm-hmm, et puis le ton que je mettais, oui, à l'appeler comme ça, elle a compris que c'était de la tendresse. C'était le doux, mm-hmm, le doux qu'il fallait entendre, oui, le boom de doux qu'il fallait, ouais, entendre. Et un jour, elle m'appelle et elle me dit, alors là, j'étais déjà plus à Paris, j'étais en Guadeloupe, et elle me dit, tu m'appelles tout le temps Bom Sendou, et je lui dis, ah, ça te gênait, ça fait déjà des années. Elle dit, pas du tout, je te l'aurais dit, justement, mm-hmm, parce qu'elle était très cash. Ouais, ouais. Non, je te demande, tu m'appelles Bom Sendou, comment tu appellerais quelqu'un qui n'est pas Bom Sendou, le contraire, uh-huh, l'opposé total. Je dis, bon gaz. Elle dit, ok. Ouais, je vois. Donc, quelqu'un qui, ouais, tu, ouais, vois, autant le Bom Sendou pour moi, c'est quelqu'un qui est toujours dans la grâce, ouais, dans la bienveillance, dans la. C'est ça. Bom gaz, la personne qui te donne du gaz, on a maman. Et oui, puis voilà. Okay. Un mois après, elle m'appelle à Conal. Ils étaient, je me rappelle, à Valmunière par là. Mm-hmm. Ils sortaient du studio. Et ils ont fait, moi, j'étais en Guadeloupe. Et, voilà. Et elle m'a dit, tu vois, je te fais un double cadeau parce que je te le fais en compas. Je sais que tu aimes bien la salsa, mais ton rythme préféré, c'est le compas. Donc, je te le mets en compas. Eh bien, nous, chers téléspectateurs, on va écouter cette fameuse chanson « Bom Sendou » d'Edith Lefel. Oui, et puis le clip est beau, oui, aussi. Le, hein, clip Marie est beau. Pont-Montpierre. Il y avait de l'ambiance sur le plateau. Oui, exact. Même s'il y a une petite pointe de nostalgie, mais en même temps, il y a le bonheur de la regarder évoluer, d'écouter. Oui, et puis la musique, en plus, que Marine Nampini, qui est mon invitée ce soir, apprécie particulièrement. Oui. Voilà.
Voilà. Alors, Marine Nampigny a écrit de nombreux ouvrages, quand même, je trouve. Hein. Le carnaval Clémence au Bois-Bois, D'étranges rumeurs, Le JT de Clémence C, Racontard exquis, Un cœur au bord des yeux, c'est le dernier d'ailleurs, Corona Victorus. C'est quoi? Qu'est-ce qui déclenche le fait de te mettre à travailler, à nous faire un ouvrage comme ça, à nous sortir un livre? Comment ça se déclenche? Je sais que chaque fois, c'est différent, par contre. Hein? Alors, le carnaval, c'est peut-être le carnaval de mon enfance que j'ai voulu, refaire vivre, parce que c'est pas le même tout à fait, même si on a gardé des spécificités, on les a gardées, j'espère qu'on le gardera toujours, parce que c'est ce qui fait notre spécificité. Je ne dis pas qu'il est le plus beau, mais il est très spécifique, parce qu'il est le seul à avoir ces 4 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 4 jours, et 4 jours totalement, thématiquement, singuliers. Dis-moi, en Guadeloupe, ça ne dure pas 4 jours? Non. Il dure, en Guadeloupe, il dure 2 ou 3 jours au maximum, et c'est la, le truc aussi en Guadeloupe, que j'ai beaucoup aimé aussi, la Guadeloupe, parce que je suis restée comme disant, j'ai aimé, mais c'est plus, il ressemble plus au carnaval brésilien, un tout petit peu au carnaval brésilien. Les carnavals, c'est-à-dire qu'on regarde passer les gens, alors qu'ici, tout le monde peut participer. Il est moins grivois en Guadeloupe, il est moins... Mais il est plus beau, plus féerique, plus tout ça. Mais moi, j'aime mon carnaval aussi, mais j'aime tous les carnavals. Mais le mien a cette particularité. Et en plus, à l'époque, à mon époque, Mylène, puisque tu es plus jeune, il y avait tout souvent... Tous les 4 ans ou 5 ans, je ne me rappelle plus, le carnaval tombait à une époque de période électorale municipale. Donc, le perdant... Ah oui, alors là, c'était sa fête. Exact, exact. Jusqu'à maintenant, en fait, dans le carnaval, les gens s'inspirent un peu des faits particuliers qu'il y a eu dans la vie. Oui, absolument. Et puis, voilà, il y en a des faits de société, absolument, des faits divers, parfois. Voilà, c'est ça. Et il y en a qui sont affilés. C'est fait pour ça, d'ailleurs. C'est dommage. Enfin, pour moi, c'est fait pour ça. C'est fait pour... exprimer tout ce qu'on n'a pas pu dire parce qu'on n'a pas, on est des gens lambda, on n'a pas accès aux médias, etc. Donc on dit tout ce qu'on a à dire depuis un an, on le dit au plus grand, au plus puissant, on le crie à la face du monde, on le dit avec beaucoup de grivoiserie parfois, mais beaucoup d'humour aussi, on s'habille comme on veut, etc. C'est un défouloir qui va après, religieusement, on rentre en carême. C'est ça. Apaiser aussi 4 jours ou un exutoire. Exact. Moi, c'est nécessaire. Oui, c'est ça. Oui. Alors, de la biographie, comme avec Edith Lefebvre, par exemple, à l'influence du coronavirus. Oui. Là, c'était des nouvelles basées sur l'actualité. Tes sources d'inspiration sont franchement, effectivement, multiples. C'est ça. Et c'était jusqu'à présent, à part Edith, c'était le seul roman que j'ai eu à faire. Fallait écrire. J'ai écrit sur une personne, même si on rencontrait plein de gens où elle allait jouer, ses enfants. C'était à partir d'une personne dont j'ai suivi. Voilà. Tout le reste, c'est des nouvelles. C'est des cours, c'est des contes, d'abord pour les enfants, contes pour adolescents avec Aston Subutich, et puis beaucoup de nouvelles. Ça veut dire que 4 pages sur... le corona, Victorus, ce qu'il a pu faire dans une relation de couple, par exemple. Le corona, Victorus, ce qu'il a pu faire dans une campagne électorale, parce que la campagne de cette année-là était tombée pendant... Tu te rappelles maintenant? Tu as eu beaucoup d'élus. De certains élus qui dansaient, faisaient la fête. Exact. Et qui ont eu à reprocher. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu ceux qui ont été élus au premier tour, super. Il y en a eu plein qui ont été élus au deuxième tour, mais le deuxième tour a été gangréné par un mois à peu près de non-campagne, puisque le corona... Enfin, bref. Donc, tout ça pour dire que ça a toujours été des inspirations un peu courtes et thématiquement différentes. Et je suis revenue, pour le dernier, sur un roman. D'accord. Sur, c'est plus Edith, mais c'est une jeune fille qui s'appelle Anaïs Rocher. Quand tu dis le dernier, donc je le montre à l'écran, mais on a déjà dû le voir défiler. Un cœur, au bord des yeux. En fait, l'image traduit exactement ça. Exact. En gros, c'est quoi le... le thème de cette histoire? Propre. Alors, en gros, c'est une gamine qui naît avec le cœur au bord des yeux, dit-elle, parce qu'elle sent que ses pupilles sont lourdes et qu'elle pense que son cœur ne bat pas là où il faut. Mais pour moi, là, celle qui a écrit, je pense que c'est une manière de dire qu'elle naît de façon... elle va garder ça toute sa vie, ce regard empathique,
Ça veut dire qu'elle voit d'abord avec son cœur, pas avec ses yeux. Elle a un regard empathique, bienveillant, toujours avec autrui. Même si on va la chercher, on va la trouver. C'est oui, pas oui, oui. C'est là, les gens pensent toujours que gentille, c'est... Pas du tout. La gentillesse, c'est une force, une puissance pour voir le monde et transformer le monde, pas pour être piétinée. Et d'accord. Puis, elle naît, parce qu'elle dit qu'elle naît avec le cœur au bord des yeux, parce qu'elle naît, selon moi, avec un handicap très lourd dont on parle très peu, qui est naître le jour même où sa mère meurt. C'est-à-dire que pour elle, il y a un bon moment de culpabilité, elle va parfois tomber dans le déni, parfois elle va voir la douleur dans les yeux des autres qui ont aimé sa maman, enfin il y a tout ça. Pour moi, naître dans une société matriarcale, et puis même naître sa maman, mais dans une société matriarcale particulièrement, c'est chaud, c'est chaud. Et donc, c'est son histoire, comment elle va, comment elle va avec de cet handicap-là, en faire une force. C'est toute sa, son trajectoire. Je vais lire. Quand tu as le temps. Il n'y a pas de souci, je vais trouver le temps, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est, l'histoire est poignante déjà, on le sent. J'ai ri parce que, tu sais, on parle beaucoup. Alors, c'est dommage parce que je suis venue parler de quelque chose de beaucoup plus fort, mais quand on m'emmène sous ça, c'est très drôle. On parle beaucoup des enfants nés sous X qui sont dans une douleur extrême, surtout quand ils sont à la recherche des enfants abandonnés, etc. Mais jamais on ne parle de ces enfants-là. Il y en a. Il y en avait beaucoup à mon époque parce que la science périnatale n'était pas bonne, mais il y en a encore. J'apprends que depuis 2020, jusqu'à nos jours, il y a à peu près 200 cas comme ça. C'est pas rien. Oui, des maris qui vont accompagner leur femme pour un accouchement et puis qui, en fait, rentrent avec un bébé. Et on parle du mari, justement. Oui, oui. On parle de la maman, de la dame et l'enfant. Voilà. Oui, parce qu'on n'est pas dans, on se projette on pas se en projette arrière. Pas, des années plus tard. Voilà, exactement. Plus tard. C'est exactement. Ça. Alors, tu as également écrit pour un autre grand artiste des dessins pris. Oui. Donc c'est un style très différent, par exemple d'Edith Lefel qu'on a pu voir. En fait, tu es dans un renouvellement permanent. Non, mais c'est lui qui m'a. C'est lui qui t'a contacté. C'est lui, elle aussi d'ailleurs. C'est lui qui m'a. C'est des honneurs. Oui. Et puis Dédé, lui, par contre, c'était en français. Parce que c'était j'en ai fait 4 ou 5. C'était un disque spécialement fait pour, je crois, par l'Alliance française, quelque chose comme ça. C'est assez vieux. Mais c'était un grand bonheur pour moi. Donc c'était un livre avec des thèmes particuliers, en français, pas en créole comme d'hab. Non, je crois qu'il y en a en créole. Enfin, je ne me souviens pas. Mais c'était dans une thématique, Chouvalbois, etc., dont Dédé est le maître. Mais pour, entre la Louisiane et les Antilles, un endroit où Dédé a beaucoup de succès, la Louisiane. D'accord. Beaucoup, beaucoup. Et là, c'est une alliance, quoi. Alliance créole française avec les enfants de la Louisiane. Je crois que c'était dans ce cadre-là. À un moment donné, tu étais directrice du musée de la Pagerie, aux Trois-Idées. Oui. Est-ce que l'histoire aussi te passionne ou c'était juste pour faire des rendez-vous culturels dans ce lieu symbolique? L'histoire me passionne. Celle de Joséphine, c'est très long à raconter. C'est très long. Mais je peux quand même dire que je suis rentrée directrice à Joanne, je suis partie directrice. J'ai dû rester 4 ans, mais je peux quand même dire qu'à cette époque, c'était une association qui dirigeait le musée, donc très peu d'argent. Pratiquement rien, juste pour payer le personnel, etc. Et que je suis fière de dire que pendant ces 4 ans, on était peut-être, 3-4 guides, et puis un jardinier, quelqu'un qui nettoyait, on était une équipe de 6, et puis par contre, le conseil général payait à l'époque la surveillance des lieux. Les agents. Et grosso modo, pour terminer, l'histoire de Joséphine, je peux en parler mais beaucoup plus longuement une autre fois, mais j'ai été contente d'avoir emmené, la première à avoir emmené dans le lieu, sans moyens, l'esclavage, fêté le 22 mai. Sous une habitation de Mickey. Puisque l'habitation n'a pas pu être si nous n'y étions pas. Oui, c'est ça. Et puis... Les passions de Joséphine, comme la passion des roses, ça veut dire que je faisais des floralies, des kermesses autour des fleurs, etc. Et beaucoup, comme elle aimait beaucoup les enfants, on ne sait pas, mais elle a fait beaucoup pour les enfants, j'ai tous les mois de décembre une grande fête qui réunissait, pas que, mais cette grande fête-là, c'était le 28 décembre, qui réunissait les enfants autour de clowns, de danseurs, d'ateliers. Et je peux te dire que les manifestations étaient remplies. Ça veut dire que j'ai eu aussi le plaisir de dire que j'ai fait le Martiniquais s'approprier un lieu qui ne lui était pas très cher à l'époque. Voilà. Bon, alors tu es censé en tout cas être retraité. Oui.
Mais en fait, tu n'arrêtes jamais. Alors, parle-nous de ton actualité avec tes collègues poétesses. En fait, pourquoi ça s'appelle Femme Totem Poésique. Pourquoi Femme Totem? Alors, je pense que Femme Totem, ça vient de celle qui a conçu le spectacle, qui a mis en scène le spectacle, qui s'appelle Chantal Klein. Il faut savoir que Chantal, qui est poétesse, comédienne, elle-même, a quand même, avant, fait des éditions à Paris qui ont très bien marché, de Femme Totem Musique. Il y avait d'ailleurs une avec Justine Biroir, si mes souvenirs sont bons, Émile Michel, moi, j'y étais pas. Donc, elle a gardé sa griffe, elle a raison. Oui, oui. Et puis, parce que le mot totem veut dire quoi? Il veut dire des gens qui sont un peu emblématiques de ce qu'ils font. Voilà. Donc, elle ne dit pas qu'ils sont les meilleurs. Mm-hmm. On ne dit pas qu'on est les seuls. On dit simplement que ce sont des femmes qui sont des totems dans leur dire ou leur écrire, de leur manière de jouer, de leur manière de le dire et de l'écrire, de leur manière de le présenter au public. Ce sont 6 femmes totems pour cette première édition. Est-ce que tu avais déjà travaillé avec ces femmes-là ou est-ce que c'est la première fois que tu... C'est la première fois. Nicole Cage, je la connaissais, oui. Qui ne la connaît pas. Tu peux nous donner justement le nom. Alors, il y a Nicole Cage, qui va représenter la Martinique. Voilà. Il y a Chantal Clem et moi aussi. Et puis, il y a Emeline Octavie, que je ne connais pas, que je vais rencontrer bientôt, qui représente la Guyane. Janie Bogart, qui représente Haïti. D'accord. Et un quartier d'Haïti assez fort dans les traditions musicales, picturale, etc. Et Doris et l'Esprit K, qui est la Guadeloupe, qui est un peu plus slameuse. D'accord. Donc, vous avez réuni, enfin, pas trois, mais ont été réunis. Une Martiniquaise. Des sœurs du dire et de l'écrire. Voilà. Entourée par trois hommes qu'il ne faut pas oublier. Donc, j'en oublie un, mais c'est plutôt le chef d'orchestre, ouais. Oui. Mais bon, c'est pas grave, il va me taper sous les doigts. Mais il y a Hervé Laval, à la batterie, et Dominique Bérose, au piano. Et il y en a un troisième dont j'oublie. D'accord. Alors, toi qui aimes donner justement du rythme, révéler le mordant, la tendresse autour d'histoires parfois particulières, que vas-tu nous proposer? Je ne sais pas si on peut utiliser le mot, mais je dirais comme répertoire en ce mois de décembre qui se pointe. Alors, avec Poésique. Moi, je sais que Femme Totem Poésique, ce sera un moment d'émotions variées. Parce que ces 6 femmes-là... Est-ce que tu connais le texte? Je ne connais pas le texte des autres, elles ne connaissent pas le mien, mais je connais leur parcours. Okay. Même si je ne les ai pas rencontrées. Je connais leur parcours. Il est plein d'humanité, d'une manière de le dire de façon très singulière, mais plein d'humanité, de dignité, de tendresse, de force, de vision sur le monde, de vision de nous-mêmes, de vision sur ce qu'on vit. Donc, c'est 6 regards de femmes différents, mais qu'elles vont faire par moment, elles vont rentrer en corrélation. Ça veut dire qu'il y a des moments où elles vont chacune s'adonner seule en soliloque avec le public, mais il y a des moments où elles vont rentrer en relation entre elles, dans leurs mots et peut-être physiquement. Donc, c'est un moment, une heure, un quart, qui, selon moi, va nous faire voyager dans des émotions très variées, très puissantes, très sincères, très viscérales, et un grand moment d'amour de nous-mêmes, du pays, que chacune de nous représente, et du monde dans lequel on veut aller, on voudrait tendre. D'accord. Et je pense que ce sera un moment de grande émotion. Alors justement, Femme Totem, tu nous expliquais à peu près. Poésique, est-ce que c'est la contraction de poésie et musique? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça qu'elle a voulu faire. C'est ça. Ok. Alors au Théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France, capitale conviviale pour le Femme Totem Poésique, auront lieu ces 2 rendez-vous donc avec le public. À quelle date? Alors c'est les 7 et 8 décembre à 19h dans un lieu... C'est pas 19h30 que 19h. C'est 19h. 19h. Et un lieu où l'acoustique est merveilleuse, où la salle donne déjà une sorte d'intimité, de rencontre, d'osmose, quoi, de communion. Donc je pense que ce sera un beau voyage. D'accord. Un beau voyage. Tu penses que des entrailles du théâtre Aimé Césaire sortiront un message fort? Des messages forts. Pour toutes les voix de femmes.
Il y a une sororité, même avec les hommes et les enfants, c'est la fraternité, on dit la fraternité, une sororité d'émotion, de vision, de bienveillance, de puissance, de dignité. J'y tiens, moi, la dignité. Ce sera un moment d'une heure, un quart, pour que nous partions de là, debout, fiers. Forte. Et avec du bonheur. D'accord. Alors, Jordan peut continuer à nous montrer des images parce que j'en ai envoyé plein à la technique. Où on te voit heureuse, alors entourée du jeune public comme tout à l'heure, qui était attentif, où on dédicace tes ouvrages dans des librairies. Oui. Il y a le côté chaleureux et qui est bien ressenti par, en fait, tout ce qui t'approche. Oui. Ben, j'y peux rien, je suis comme c'est ta personnalité. Je joue pas. Oui. Je joue pas. Tu es pleine et entière. Quand je ne suis pas très en forme et quand je n'ai pas envie d'être... je ne peux pas être moi-même, je reste chez moi. Tu restes chez toi. Mais je ne peux pas me permettre de sortir et de porter le poids du monde à des gens qui n'ont rien à voir avec les douleurs que j'ai. Non, je ne suis pas là non plus pour les égayer. Mmh. Je ne suis pas là pour les attrister, les effondrer et les abîmer. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ce spectacle qui aura deux séances, comme on a dit, le jeudi 7 et le vendredi 8, à 19h, au théâtre Aimé Césaire, pour avoir les places, il faut aller sur place ou est-ce qu'on peut les trouver? Alors, je crois qu'on les trouve en ligne. En ligne. Et je crois qu'on les trouve en ligne. Comme je ne fais pas beaucoup d'achats en ligne, je dis je crois, mais je suis sûre. Oui. Il suffit de chercher le lien. Mais c'est sûr aussi qu'on les trouve au théâtre municipal. D'accord. Alors, il faut préciser que vos mots à toutes ces poétesses sont débités sur un fond musical, comme on a dit, avec des musiciens de talent. C'est ça. Donc, en fait, vous serez dans une acoustique qui va vous faire un petit peu voyager en même temps. Absolument, absolument. Puis les mots sont très différents, parce que les mots, même si nous sommes des sœurs de la Caraïbe, le mot d'une Haïtienne, d'une Guyanaise, les mots, même les trois de la Martinique, il y a le vécu, notre vécu aussi, notre manière. Donc, ce sont des mots qui ont beaucoup chacune en commun. Voilà, chacune va transporter le public dans son univers temps. Pour en faire, pour que Chantal aussi en fasse un univers cohérent et cohérent, et dans une bulle, quoi. Mais dans la bulle, il y a plein de petites émotions diverses et variées, différentes. Mais ça va être coordonné pour que ça soit le même voyage. Avec simplement, au lieu de prendre un avion avec un pilote et un copilote, il y en aura six. Il y en aura huit. Il y en aura neuf. Parce qu'il faut compter les trois musiciens. D'accord. Le grand public doit aussi savoir cela. Marilyn Empigny est médaillée de l'Ordre national du mérite. Elle est également chevalier de la Légion d'honneur. Comment as-tu... apprécier ces hommages. Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, avec jubilation. Je ne peux pas. Je comprends aussi. Mais avec jubilation, parce qu'on ne m'a pas beaucoup donné dans ma vie. Oui. Tu comprends? Donc, comme je n'avais rien demandé, donc on ne demande pas, on me dit que les gens demandent. Il y a des gens. Moi, je ne connais pas ça. Les gens qui ont l'Ordre national du mérite et la Légion d'honneur, ce sont les gens qui les ont proposés. Il y a une commission qui accepte ou pas. Bon. On m'a proposé parce que j'aurais fait de bonnes choses en communication et en culture. Ma foi, je prends. Ben oui. Non, mais il y a des gens qui refusent. Ils ont tout à fait le droit. Il faut. Oui. Mais moi, j'ai pris. Il y en a à qui on ne propose pas non plus. Oui, c'est vrai. C'est dommage. Donc, si on t'a proposé ces deux distinctions, c'est que tu les méritais. Et quand je pense. Et puis. C'est pas, et surtout, je l'ai d'ailleurs à chaque discours que j'ai fait, puisqu'il faut remercier le soir de la remise, j'ai vu et je vois toujours dans ces remises de médailles, pas seulement pour moi, mais pour les métiers que je fais. Ça, vraiment. Je vois que cette médaille-là, elle va à la culture, elle va au théâtre, elle va à des choses qui n'étaient pas essentielles pendant le corona et que je trouvais combien vitaux. Voilà. Tu vois? Eh bien, c'est pour ça que je les ai pris aussi. Pour le journalisme, qui est souvent décrié, même maintenant ou à l'époque aussi, un peu injustement parfois. Donc, je l'ai pris pour moi, bien sûr, je le reconnais, égoïstement parfois, mais je l'ai pris aussi généreusement, largement, pour tous ceux qui ont évolué. Voilà.
D'accord. La jeune Marilyn qui posait sur une plage avec sa famille, j'ai envoyé la photo, je ne sais pas si elle est passée. Est-ce qu'elle pensait qu'elle allait... Non, ça, ce n'est pas moi. C'est pas toi. J'adore. D'accord. Alors, debout. Debout, c'est debout, qui? Debout, il y a ma nièce cadette Valérie. Donc, ta nièce. Ma nièce. Oui. Assise, il y a ma nièce Maud, l'aînée des trois. Mm-hmm. Et puis la petite qui est déjà cambrée, qui va d'ailleurs devenir reine du carnaval à Fort-de-France, c'est Alice. Mais d'accord. On est en face de notre maison au diamant. C'est ta famille. Absolument. Voilà. Mon nièce. Est-ce que toi, tu pensais, quand tu étais jeune comme ça sur la plage, oui. que tu allais vivre une vie avec tant d'aventures? C'est vrai. C'est vrai, non. Tu ne pouvais pas imaginer non. tout ça. Hein? Non. Ça a commencé véritablement, je te dis, au lycée. Quand j'ai rencontré les profs de français, c'est eux qui m'ont ouvert la voie du théâtre. Et, d'accord. Et justement, j'ai vu signer à certains endroits Marilyn Fondy, à d'autres endroits Marilyn Nampini. Alors, apporte-nous la précision, parce qu'on en a parlé hors antenne, mais on n'a pas dit à l'antenne, pourquoi Fondy à certains moments ou Nampini? C'est venu bêtement et définitivement, parce que c'est quelque chose de fort maintenant. Alors, j'ai été élue Marilyn Nampini au Diamant pendant une certaine la mandature de Gilbert Eustache. Et quand je deviens chargée de communication, ça veut dire une employée municipale, chargée de communication et de la culture, pour gérer la page Facebook, j'ai trouvé qu'il n'était pas bien de garder le nom d'élu, de ne pas jouer dessus, de me donner un autre nom. Oui. Et le nom Fondy s'est imposé. Et je suis contente vraiment de l'avoir fait parce que c'est le nom de ma mère, voilà, c'est ça. De ma grand-mère, de ma sœur qui m'a élevée. Et c'est un nom qui a complètement disparu. Tiens, j'ai impossible de trouver une Fondy en Martinique. Tout ça parce qu'en fait, il n'y a pas elles eu de garçon. Elles n'ont fait que des filles. Voilà. Donc, à ta façon, tu fais revivre ce nom. Exact. Alors, on va écouter la petite bande-annonce qui parle de ton actualité. Donc, tu es venue nous parler de Femme Totem Poésique. Ben, je crois qu'il faut aller. Hein. Voilà, si Jordan peut nous passer la petite bande. Il faut aller. C'est 19h30, tu as raison. Voilà. C'est 19h30. C'est bien 19h30. Bon, j'allais y aller pour 19h. Voilà, donc en fait, on était en train de discuter en voyant la bande-annonce sur l'horaire. Oui, c'est 19h30. Alors, effectivement, c'est 19h30 qui est marqué. Absolument. Et là, tu vois, plus je revois ces femmes qui défilent, dont je connais le parcours pour certaines, c'est il y aura de la fougue, il y aura de la provocation, de la malice, il y aura... De la tendresse. La musique était poignante aussi. Oui, poignante. Ouais. C'est vrai. Comme nous sommes toutes des enfants d'Afrique, la musique. Mais il y aura plein d'émotions, un arc-en-ciel d'émotions soutenues par la musique. Donc, en fait, il y a une vingtaine d'années de ça environ, Marilyn Nampini m'interviewait pour le TV Magazine à la sortie d'un CD que j'avais fait. Aujourd'hui, les rôles étaient inversés. Et sincèrement, Marilyn, j'en étais ravie. Aussi. C'est vraiment, je suis contente de l'avoir. D'ailleurs, dès qu'on m'a dit c'est Marilyn Nampini qui vient sur le plateau, j'étais super contente. Moi aussi. Voilà. Dès que je sais que c'était toi. Je parlais de toi la semaine dernière. Ah bon? Oui. Musicienne qui est devenue. Parler de femmes au piano, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Même jusqu'à présent, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, j'ai dit qu'elle aussi, elle est devenue. Elle transmet. Oui. Et elle est devenue animatrice à la télé et sous KMT. C'est aussi un chemin, pas autant que le mien, il a été très tendu le mien, mais quand même un chemin. Oui, j'ai touché un petit peu à tous les univers dans le domaine. Moi, je pense que c'est bien. Voilà. Alors, Marilyn Nampini était mon invitée de ce jeudi soir, comme vous avez constaté. Elle est venue nous parler d'un spectacle Femme Totem Poésique qui aura lieu, je le rappelle, le jeudi 7 et le vendredi 8 décembre à 19h30 au Théâtre Aimé Césaire. J'en ai profité aussi
puisque je prenais la peine de la recevoir, pour vous faire découvrir un peu plus cet artiste pluriel. Et j'y ai pris un grand plaisir, je dois l'avouer. Marilyn, en regardant les téléspectateurs dans les yeux, tu as une caméra en face, quel message avant de partir tu pourrais leur transmettre? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ton public? Je la prends un peu au dépourvu. Redevenez humaniste, redevenez ce que nous avons eu comme valeur profonde chez nous, enfin, comme je connais, c'est d'être toujours avec la main tendue, la main qui donne, la main qui reçoit, savoir dire merci, savoir être fraternel avec son voisin, sortir de l'état d'animalité dans lequel nous étions un petit peu avant la COVID, je suis honnête, et puis que la COVID a prononcé en nous. C'est la jungle, la vie n'est pas une jungle. La vie c'est tous les jours, la vie c'est des frères, c'est des sœurs, c'est des cousins, c'est des voisins. Revenons à cette humanité créole que nous avions et que nous avons tendance à perdre. Et puis, je pense que non seulement la spiritualité qu'on va retrouver en soi va nous y aider, mais la culture va vous y aider aussi. Toutes les cultures vont vous y aider aussi. Voilà. Merci Marilyn. Alors justement, donc, je conseille à tous d'aller voir ces deux pièces, enfin cette pièce mais, qui est jouée deux fois. Et puis, je voulais savoir tes ouvrages. Guys, it's trapped up off the shoulder, older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't fidget, it's fidget.